que tumeanza ku question ya Carrefour, que faire en tant que leader pour quitter d'un village de Benin pour atteindre un village d'abondance. J'ai une question. Alors, oui, la question, tu me commandes à tout une femme moja, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un identifié, il y a un problème, ça fait ça. Mais c'est ma, ni problème, il y a beaucoup de choses. Na mui village yenye tumekuwa ndani mtoto anafanya muda wa saa mbili ili afike kwa masomo kwenye kuko shule na ule mtoto swat nezi rudiria munjia mwingine atafika kwa masomo bon na mwingine atasoma alors tunaona kabisa ile village yetu batoto hawatasomaka njo maana en tant que leader il faut tu pate solution qui le problème joue tout fait que oui le village y a abondance mais c'est ma sens où le leader moyen à ne pas chaque quoi oui le village à n'avoir sa quinze identifié donc à n'avoir sa quinze que j'identifie et moyen à n'avoir quinze qualité zake na défaut zake afiké qui ongo ya ku recueillir ma proposition sa population na kuziorienter juba toke muile hali ya ukosefu wa shule. Ule leader aussi anapasha kuwa amezili ya kufanya adoption consensuelle. Donc benye bali propose bote banekala pamoya bana adopte bana sema no tutafanya kitu fulani ju tupate i masomo hapa kwetu. Kisha pale bote pamoja banapasha fanya suivi na évaluation, baone kama est-ce que balifikia ile lengo yenye mtaraji asante. Strategie aussi na ndio tunaweza fika ku ville yenye iko na abondance. Sio kama lazima kwa pe mbio ni explique. Sasa ni tunatoka ku village, tunaenda ku ville, tunaweza identifier probleme ni nini? Kisi tunaweza soma hapa sekirite nini yenye iko kule tukasema ifo pale tumepriorize deja problemi tumeona problemi ni ya sekirite problemi ni loo tunaona sekirite kama ya nini infrastrukture tunasema ifo tuidentifie wa responsable strategi utakamata mwa ile kusema upate solution kwa ile mwizi mnyumba utakamata ule mwizi ndio mwenye unafahamu kesi au na mfamo responsable wewe ndio utashimamia benza automatiquement atakuwa na yua baka niwekesha mimi first waza chomola desa bila autorisation ya ule mkubwa ndio ile identification de personne responsable sitaweza chomola desa fra mkubwa na anju basi basi kuna shifa yuni communauté tofauti tubanire kwanza ma antivaleur tukisha banire ma antivaleur tunapitisha communiquer hizi shida ifo tupigane nazo ziishe tukue bien tukue na amani tukitia pitisha communication kila mtu anapata programi kutoka ku village fulani kufika village fulani ni mkichwa haiko fiziki ni ifo kwanza tunatumika juu ya kichwa ya population na hii tumeangalia wewe kama leader unapaswa kuwa na il a identifié un problème, une communauté, on a engagé. Ou qui a identifié un problème, ou c'est comment tu m'as amené comme problème ouais avec, ou si vous avez qui sont là on a comme un problème, m'as amené la communauté, tu as eu on a comme un problème. Il faut maintenant on a identifié la communauté, on a osé pour partager pour que problème il pouvait quoi qu'on a pas communauté, on peut la même perception à problème. Nous quand on a essayé un problème, on a osé comme il y a eu gauche, mais il y a eu droite. Tunaambia kama mkishaona probleme na kuprendre conscience kama ndio probleme comme yenye iko mungini yenu muna definir maintenant ma strategie de sortie tutafanya nini juu hii probleme sasa tuweze kuimaliza na ile itawezekana wakati population itaikala fasi moya chef ye back bien leader ye back hana solution il faut ana faire participer population muna étudier faisabilité est-ce que hii probleme kisi tunaiona tunaweza kuiweza hapa kwenye tunaikala au tutafute zingine ngazi zingine zinaweza kutusaidia kupata solution kwa hii problem.
muna identifier ma difficulté. Tukisi tuliona mamamba, muna weza kuwa abzira kudatifie. Zile mamba, zile weza kuwa pembeni pembeni ya exhibition. Na hile, muna kuwa na chronogram. Musiende mu exhibition au mu resolution ya probleme. Vai ke vai, muna wakosa muanjie wapi, muna jua. Hii aktivite tunayanchia hapa, mpaka mwezi fulani na tumemaliza. Tunakamata tena ingine, na munakuwa na chronogram. Mezo sina budget. Et puis on a constitué un comité qui a fait un suivi et un contrôle. Souvent, on a dit que les gens qui ont fait un contrôle, le chef et le leader ont fait un contrôle. On a fait un peu de choses. On a dit que les gens ne doivent pas changer. Ils doivent changer vite. Mais ils ont fait une ville.